Bonjour, je m'appelle Agnès Misset, je suis gouvernante générale au nouveau hôtel La Défense. Alors j'assure l'entretien général du bâtiment, des chambres 280, de l'accueil clientèle et de la qualité de la propreté d'un hôtel. Okay. Parce qu'on en a reçu une grande quantité et puis comme ça vous les faites monter en même temps que le linge. D'accord. Hein. Il n'y aura pas de soucis comme ça. D'accord. Moi, pour faire de l'hôtellerie, j'ai fait une formation, j'ai choisi une formation courte, hein, parce que j'avais fait d'autres choses avant. Et j'ai donc fait une école hôtelière à Besançon, qui était assez bonne réputation, qui est toujours, je suppose. Et puis, ben, voilà, au bout de 8 mois et 3 mois de stage, j'ai pu me lancer dans la vie de l'hôtellerie et commencer en gouvernante générale assez rapidement. Enfin, en gouvernante, pardon, d'étage, et après venir assez rapidement gouvernante générale. Ben, tous les matins, je prends le temps pendant une heure, parce qu'il me faut bien une heure, de visiter l'établissement pour voir si tout est en place. Et puis je dis bonjour à tout le personnel qui va commencer la journée, puisqu'il est bientôt 8h30 et il y a déjà des jeunes filles qui sont en poste. Alors bon courage. Je vous remercie. Et je vous revois tout à l'heure. Ce que je n'aime pas, c'est par exemple les soucis de vol, de tracas qu'on peut avoir avec la clientèle. Donc automatiquement, comme les femmes de chambre sont amenées à être tout de suite dans les chambres, ça peut être pénible. Toutes les journées sont différentes. Donc il peut se passer n'importe quoi, on doit y répondre tout de suite. Et je pense que ça fait partie des attraits. Je ne me voyais pas trop enfermée dans un métier où je ferais toujours, tous les jours la même chose. Voilà. Alors pour moi, le contrôle de la chambre est fini. Hein. Alors comme j'ai remarqué des petites choses que la femme de chambre devait rectifier, je vais appeler ma collaboratrice pour lui demander de me mettre la chambre hors service pendant une petite demi-heure pour que la jeune fille ait le temps de refaire la retouche. Voilà. J'ai la chambre 1008. Vous pouvez me la repasser, s'il vous plaît, hors service. Ma volonté pour l'instant, c'est de me diriger vers la formation. Donc j'en ai parlé avec mon directeur. Et puis je vais monter un dossier et puis je vais me lancer dans autre chose. Voilà.